Bonjour à tous et bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux en cette heure de déjeuner alors qu'il fait très bon dehors pour pouvoir participer à cette discussion autour de Génération Historienne, donc avec un très grand nombre de participants. Je crois que c'est le plus grand nombre de participants à un débat d'une heure et demie de jeu. Mais bon, on va essayer de se débrouiller pour qu'elle soit le plus fluide et le plus riche possible. Donc les deux directeurs de l'ouvrage, Jean-François Cirinelli et Yann Potin, Pascal Kotchen qui est à côté de Yann Potin, Claude Gauvard, Bibia Pavard, Jacques Revel et Guillaume Calafat qui sont tous donc contributeurs à cet ouvrage collectif. Il faut peut-être quand même commencer avec vous, Jean-François Cirinelli et Yann Potin, sur le projet d'un tel livre qui, d'un point de vue d'éditeur, est quand même un livre conséquent. Je pense que l'éditeur est dans la salle, il doit être content d'avoir 800 pages à son actif. Pourquoi avoir lancé un tel projet, co-dirigé par vous deux, et sur cette notion de génération qui, vous le savez, puisque c'est présent dans tous les articles ou presque, est une notion problématique en histoire. Oui, de fait, le pari pouvait paraître risqué dans la mesure où les historiens, vous le disiez avec tact à l'instant, ne sont pas forcément d'accord même sur l'usage et même sur la définition de la génération. Alors pourquoi passer outre? Pour une raison, j'allais dire très simple, qui est que quand on travaille par exemple sur les milieux intellectuels, on s'aperçoit que dans des milieux bien balisés à la fois statistiquement et, j'allais dire, sociologiquement, professionnellement en tout cas, les notions de génération opèrent à plein pas, tout dépend des lieux, des milieux et des individus, mais opèrent dans la mesure où ces intellectuels, dont la fonction est de donner du sens au monde qui les entoure, ben, ces intellectuels sont tributaires du climat idéologique, de l'ère du temps intellectuel, et donc de ce point de vue, il y a des précédents, on a travaillé sur les générations intellectuelles, on a travaillé également beaucoup sur les générations littéraires. Alors j'en viens à votre question, je serai bref, car nous souhaitons avec Yann que ce soit des auteurs, même si nous sommes aussi auteurs qui parlent, mais l'idée c'était que ce concept, même s'il est, pour reprendre votre expression, problématique, pourquoi ne pas essayer de l'appliquer à ce petit milieu, petit au plan statistique des choses, qu'est le milieu des histoires. À partir de là, les difficultés commencent. Car comment trouver des générations dans ces lieux? C'est pas par magie qu'on trouve des générations. On est dans la maison de la magie, oui. Voilà, tout à fait, c'est pour ça que j'ai bien compris. Donc, donc, c'est pas par magie, et donc c'est, d'une certaine façon, par la démarche et la science. La science a permis, et j'en termine, de distinguer deux registres. Les générations mortes, c'est-à-dire celles qui, depuis le 19e siècle, depuis qu'il y a un métier, une profession d'historien, les générations qui ont sédimenté, qui ont produit des œuvres, qui ont laissé des personnalités marquantes et d'autres qui ne le sont pas, ou qui les témoignent, avec cette forme d'injustice aussi, qu'est l'oubli historiographique. Il y avait donc les générations mortes, mais, deuxième partie du livre qui, j'imagine, va être au cœur de notre rencontre, les générations vivantes. Il y a actuellement sur la scène, au sens propre, comme au sens figuré, quatre générations d'historiens et d'historiennes. Et notre idée avec Yann, c'était, et nous remercions vraiment ceux qui ont joué le jeu, c'était de demander à près d'une trentaine d'historiennes et d'historiens de répondre à cette question. Avez-vous le sentiment d'appartenir ou d'avoir appartenu, en raison de l'âge, à une génération? Voilà ce qu'est le cœur du Il y a peut-être, alors tout de même, cette notion de génération, en particulier pour les historiens, elle fonctionne à plein, on l'a dit, pour la génération 1830, celle de l'affaire Dreyfus ou d'autres. Et puis, on voit bien, dans la première partie de cet ouvrage, on va s'attacher à la deuxième qui est centrale dans la discussion de cet après-midi, dans la première partie de cet ouvrage, on voit bien effectivement qu'elle elle a du mal à tenir la route sur la très longue durée, c'est-à-dire en gros entre le début du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, en tant que, justement, cohorte, pourrait-on dire, d'intellectuels travaillant l'histoire, la concevant et produisant du savoir historique. Oui, alors en fait, pour reprendre aussi autrement ce que vient de dire Jean-François, je crois qu'il faut préciser que cet ouvrage est un ouvrage, non pas expérimental, ce serait trop prétentieux. L'histoire, justement, a du mal à être une science expérimentale. Il y a eu plusieurs expérimentations par le passé qui continuent. Véritablement, pour le dire en un mot, pour nous, la génération, je crois,
n'est pas une fin, c'est un moyen de faire d'abord une histoire en partie factuelle de l'histoire, qui n'est pas toujours représentée sur les rayons de bibliothèque, parce que on a beaucoup d'histoires idéologiques par école, par une histoire de la pensée historique, mais une histoire sociale des historiens, et des historiennes bien entendu, c'est moins évident. Alors, la génération, oui, un outil plus qu'une croyance. Un outil avec ses effets de mode par le passé, c'est pour ça qu'en effet, on voit bien que dans les années 20, dans les années 30, la génération de Fèvre et de Bloch agite le concept, le discute, et puis effectivement l'appliquer dans le temps, en sachant que cette perception du temps n'est pas la même selon les générations. Enfin, finalement, c'est le kaléidoscope permanent. Voilà. Donc, si on en tient un registre de l'expérience, et je dois dire que l'expérience est aussi éditoriale, et qu'en fait ce livre a été conçu par quelqu'un qui est dans cette salle, et qui nous a réunis, alors que nous ne connaissions pas, Grégoire Kaufmann, qui s'est dit, bah, tiens, on va justement marier deux personnages assez différents par ailleurs, et de générations encore plus différentes, et ils vont essayer de dialoguer et d'inviter à dialoguer cet outil, et notamment à la première personne dans la deuxième partie, en sachant que la première partie, je le disais, est plus factuelle, elle est aussi plus concentrée sur des spécialistes de l'historiographie. On pourrait aussi discuter de qu'est-ce qu'on appelle l'historiographie en France, ou à fortiori en Europe et dans le monde, qui, effectivement, aussi pour des raisons, ce que vous dites, Emmanuel Laurentin, sur le fait que ça se délite avec le temps, c'est aussi quand même si ça peut paraître très positiviste, je vais dire, pas, si j'ose dire, réduction de la masse d'études, ou absence même totale d'études disponibles. Par exemple, le dernier chapitre... D'études sur les historiens. Sur les historiens, que ce soit des archives accessibles, parce qu'avec la génération née dans les années 20 ou 30, bah, c'est des fonds qui ne sont pas encore... Il y a des personnes qui sont encore soit vivantes, soit sont décédées il y a peu, et les archives sont absolument pas... Vous voulez dire que ce qu'on a pu faire sur Fèvre Bloch, ce qu'on a pu faire sur Michelet... Le dernier... C'est difficile à faire aujourd'hui. Bah, symboliquement, vous voyez le dernier chapitre, ou l'avant-dernier chapitre de la première partie, puisqu'on a un chapitre transition sur les baby boomers, il est fait par un sociologue, Vincent Hemminger, qui fait une thèse, et d'ailleurs, il y a deux doctorants dans cette première partie, c'est des études en cours, et au fond, la génération des gens nés dans les fins des années 20, années 30, c'est véritablement une étude de socio-histoire. Forcément, ce n'est pas la même chose que le savoir sédimenté sur la génération Jules Michelet ou même Victor Duruy, où on a eu la thèse de Jean-Charles Gélot. C'est-à-dire que là, il y a aussi, c'est un peu réducteur, mais au fond, quand on essaye de dresser le bilan, ben, il y a quand même un effet réticulaire, pourrait-on dire, du savoir accumulé. Jean-François Stéréni, après je passerai la parole aux autres intervenants. Vous êtes un de ceux qui avaient travaillé cette notion de génération, et en particulier de génération intellectuelle. Est-ce que vous vous attendiez, est-ce que les propositions de ceux et celles qui sont sur cette salle, dans cette salle et sur cette scène, et ainsi que dans le reste du livre, soient toujours avec ce ton un peu d'y aller sans vouloir y aller véritablement, en commençant par un prolégomène qui dit, les prolégomènes qui disent, bah, d'une certaine façon, je ne sais pas si j'appartiens à une génération, je ne sais pas si cette notion de génération est valide pour moi ou pour d'autres, donc en y allant avec beaucoup de réticence, d'une certaine façon, Jean-François Stéréni. Si je dis oui, je donne l'impression de l'avoir prévu, mais en même temps, je dis oui. Je dis oui pourquoi ? Parce que nous, historiens, on a... dire un caractère en commun, c'est qu'on parle des autres. Et donc on a d'une certaine façon déjà cette sorte de réserve, j'allais dire naturelle, mais qui fait partie du protocole scientifique, qui fait partie des règles d'administration de la preuve. Donc il y a déjà ce premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on parle des autres, et si possible, on ne met pas soi dans les autres. C'est-à-dire qu'on essaye, ça fait partie du métier, d'objectiviser, si vous voulez. On sait que l'objectivité complète est impossible, mais on doit au moins brider notre subjectivité. Donc, je m'attendais à ce que les collègues, aient cette sorte de réserve, pour ne pas dire pudeur, j'emploie le terme, qu'ils ont pour la plupart d'entre eux. En même temps, ils ont accepté de le faire parce qu'il y a des précédents, et notamment, naturellement, il faut citer Pierre Nora, il faut citer l'égo-histoire, qui fait qu'on peut parler pas forcément de soi, mais de soi en tant qu'historien fadaire, historien artisan.
historien en action, par exemple dans le beau livre de 88, Ego Histoire, Georges Duby dit, moi je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler de l'historien Faber que je suis par ailleurs. Donc effectivement, nous nous attendions avec Yann à cette réticence et nous avons été heureux que nos collègues acceptent, et nous en sommes vraiment, je tiens à exprimer publiquement notre gratitude, nous avons été heureux qu'ils acceptent de surmonter cette réticence. Voilà. Jacques Rebel, alors c'est aussi l'occasion pour quelqu'un qui s'est peu livré à cet exercice d'égo-histoire, c'est le moins qu'on puisse dire qui est votre cas, c'est aussi l'occasion de réfléchir à la question de ce qui a fait le travail que vous avez mené, comment vous avez été influencé par d'autres, quelle a été l'importance par exemple de Foucault et de l'archéologie du savoir dans votre propre parcours, comment vous êtes passé de la philosophie à l'histoire, etc. Ça permet aussi d'une certaine manière de mettre en scène, en quelques pages, ce que vous appelez le moment critique. Oui, alors nous avons tous décliné de manière personnelle l'exercice qui nous était proposé. Il se trouve que je suis le plus ancien de la cohorte, mais je suis assez à côté du plus jeune, donc ça rattrape un peu les choses. Nous l'avons compris de manière différente, et moi j'ai compris de la manière qui m'était possible. Oui, j'ai peu de goût pour l'ego, pour le mien. Donc, j'ai fait un texte, c'est court, hein, c'est 20 000 signes, où j'ai plutôt essayé de caractériser ce que j'ai appris à un moment. C'est un terme qui est repris par Christophe Rochesson, entre autres, plus que de mon itinéraire personnel, qui n'a pas plus d'importance que ça. Alors, à un moment, c'est quoi, hein? C'est le rapport entre des transformations du statut du savoir, des formes de la connaissance, une expérience institutionnelle. La mienne s'est passée à l'école des hautes études et elle aurait été très différente si j'avais été dans une université. Claude Beauvoir, avec qui j'ai été étudiant dans les temps, a été professeur, une grande professeure d'université. Elle a un rapport totalement différent et tout à fait justifié, certainement aussi justifié que le mien, à une expérience qui était largement différente. Et il faut accepter ces variétés. Alors, il se trouve que, pour des raisons qui sont pas tout à fait anecdotiques, qui sont personnelles, j'ai été responsable des annales assez jeune. J'ai eu une expérience de l'enseignement qui était uniquement du troisième cycle, ce qui change quand même beaucoup les choses, un peu d'étudiants et du temps. Et j'ai eu très tôt aussi une assez large expérience internationale. Ce ne sont pas des conditions normales de la population enseignante dans le supérieur. Donc, si l'on veut des avantages, et promo aussi des infirmités. À partir de ça que j'ai eu du goût pour, pas la philosophie, mais une certaine forme de philosophie en rapport à l'histoire. Chacun rebondit, c'est comme les boules de billard dans les billards électriques. On rebondit sur des cibles qui vous renvoient sur autre chose. Je ne pense pas qu'on puisse, après coup, tracer une ligne droite. Duby le fait dans les essais d'éco-histoire, mais son témoignage est organisé comme un jardin à la française, en perspective. Duby est un immense historien. Jacques Lelbaum était un immense historien. Il n'aurait pas raconté sa vie d'historien de la même manière. Nous avons tous eu des occasions dans un moment que nous avons partagé et nous en avons tiré, selon notre place dans ces quatre générations qu'évoquait Jean-François Cirinelli, nous avons tiré des possibilités différentes. Ce qui est important, c'est le mot qui revient souvent dans ce petit texte, où ces textes sont courts en l'occurrence, Jacques Revel,
le mot de deux mots, réflexivité, réflexion sur la discipline elle-même, la façon dont on se regarde en train de faire son travail d'historienne ou d'historien, et incertitude. Et ça, ce terme d'incertitude, il revient peut-être chez des historiens de génération plus récente, peut-être Guillaume Carpat pourra-t-il nous en parler pour son propre travail ou Guillaume Pavard, mais ce mot d'incertitude, que veut-il dire justement, et pourquoi est-ce important d'avoir travaillé dans un climat d'incertitude? Alors les deux mots sont liés. J'ai été formé, comme beaucoup de gens de ma génération, dans la mouvance très large des annales, pas une école, mais un ensemble de propositions. Pour sans traiter le rapport entre l'histoire et les sciences sociales, lorsque je suis arrivé dans le métier, ce mouvement n'était pas dominant, mais il était plus depuis longtemps marginal. Et il était porteur d'une conviction scientifique extrêmement forte. L'idée que nous avions en main des instruments pour construire une histoire qui durerait longtemps sur des résultats positifs et cumulatifs. Oui, cumulatifs, avec les chiffres, avec l'utilisation. Voilà, c'était le grand moment de l'histoire quantitative ou sérielle que j'ai pratiqué, et même un certain temps. Bon. Dans le courant des années 70, à un certain nombre d'entre nous, ce projet, ces instruments, nous sont apparus usés, en tout cas, à la fois extrêmement productifs. Cache au nu, beaucoup des choses authentiques. Beaucoup des choses que nous savons sur les sociétés d'ancien régime, dans d'abord cas, à Paris, etc. Viennent de là. Et en même temps, soumis à une loi des rendements déclinants. C'est-à-dire qu'en gros, on pouvait largement anticiper ce qu'on trouverait à partir d'une proposition qui avait cessé d'être une hypothèse soumise à validation. Donc on a réfléchi sur pourquoi. Et c'est là que le réflexif intervient. Nous avons remis sur les tapis, dans le mouvement, la mouvance que je connaissais, un certain nombre des catégories, des instruments d'analyse qui étaient derrière le projet plus large. On a déstabilisé, si je peux dire, notre ensemble de projets. Le bel ensemble. Voilà. Il en est résulté ce que j'appelle des incertitudes, c'est-à-dire le sol était moins sûr sous nos pieds. Et ça n'était pas moins intéressant. C'était plus intéressant. Non, j'ai été formé dans une atmosphère d'optimisme méthodologique. Et avec d'autres, je suis entré, j'ai essayé de formuler un moment d'incertitude épistémologique. Alors, ça chahute, tout n'a pas réussi, il y a des choses qui se sont perdues en cours de route. Mais ça me laisse, après quand même beaucoup de temps, un sentiment de liberté intellectuelle qui ne me fait pas regretter d'être moins certain que je ne l'étais à 25 ans. Voilà. Claude Gauvard, on passe le micro. Même génération que Jacques Ravel. Oui. Même année. Donc on peut le dire, mais une surprise tout de même, parce que, en fait, dois-je vous le dire, on ne s'attendait pas, en gros, je ne m'attendais pas à ça, de votre part, on se connaît un peu quand même depuis un certain temps, mais que vous mettiez l'accent sur le fait d'être femme universitaire dans les années 70, ce n'était pas la première chose qui me venait à l'idée. Et au bout du compte, vous avez choisi de faire ça pour parler justement de cette question de génération. Pourquoi justement avoir mis l'accent de ce caractère de genre, pourrait-on dire, le fait d'être femme dans cette université des années 70. Oui, bah écoutez, merci de me poser cette question, parce que ça fait partie, effectivement, des motivations qui m'ont fait céder aux sirènes de Jean-François et de Yann.
parce que je n'ai pas moi non plus l'habitude de m'exposer au plus profond de moi-même. Et là, j'ai pris la plume et j'ai écrit un jet. J'ai écrit un jet parce que j'avais des choses à dire sur, d'abord, l'idée de génération et la conjoncture. La conjoncture des années 70 paraît très ouverte. Je crois qu'il faut le dire. Épistémologiquement ? Pratiquement. À la différence de Jacques, mon article, il est plus sur la praxis. Oui. C'était ouvert. Ouvert à un point tel qu'on a recruté des femmes. Et ben, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. C'est-à-dire, quand on a épuisé quand même le stock d'hommes à peu près présentables, on s'est dit il y a peut-être quelque chose. Et c'est du côté-là qu'il faut regarder ma nomination, encore que Jean Favier qui m'a recruté, entre l'écrit et l'oral de l'agrégation, ça va en faire rêver plus d'un, quelqu'un qui n'a jamais été effectivement misogyne. Bon, je suis entrée dans un monde misogyne. Je ne suis pas sûre qu'il soit totalement aplani, mais c'était très difficile. Il fallait faire ses preuves, et toujours prouver plus, surtout quand comme moi, on n'est pas normalien, hein. Il fallait toujours être au top. Voilà. Donc j'ai voulu dire qu'il y avait là une génération de combattantes qui n'ont rien à voir avec, je pense, mes amis d'outre-Atlantique, que je connais bien par ailleurs et que j'apprécie. Mais ce n'est pas du tout comme ça que j'ai fait, moi. J'ai essayé de montrer que les femmes étaient aussi fortes que les hommes. Voilà. Donc, c'est ce que j'écris. Hein, c'est ce que j'écris à peu près. Il faut quand même penser... Sans le théoriser a priori, après. Voilà. Donc, c'est par la pratique, justement. Voilà. Donc, si vous voulez, quelque part, je me suis sentie un devoir. Ça, c'est un premier devoir. Et ça n'est pas une lecture rétrospective. Non. J'ai toujours eu ça dans le cœur, absolument. Vous comprenez, je ne viendrai plus à l'esprit d'aucun, j'espère, patron qui recrute une jeune femme, de lui dire de savoir comment on fait ses enfants pendant les vacances. C'est quand même ce que j'ai entendu, moi. Bon, vous comprenez, donc il y a quand même un fossé entre, quand même, j'espère, cette génération des années 70 et maintenant. Ça, c'était un premier élément qui m'a fait écrire. Le deuxième, c'est que, si vous voulez, je crois que cette idée de génération pourrait être amputante d'un point de vue de la pensée, en pensant qu'une génération valait une autre. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait des transmissions. Oui. Et que ces transmissions, elles étaient de ce que j'avais reçu, mais de ce que j'avais aussi donné. Et que le fait d'avoir eu un séminaire à la Sorbonne, qui est quand même relativement suivi, m'a fait former, sans doute, contribuer à former, soyons modestes, une autre génération d'historiens qui va se différencier de ce qu'ils ont appris, mais qui garderont quand même toujours, à la semelle de leurs chaussures, ce substrat hérité des autres. Et là, j'ai voulu montrer dans ce petit papier à quel point, justement, il y avait dans la génération, des micro-différences, des gens qui avaient 4 ou 5 ans de plus, je pense à André Baucher ou à Michel Ballard, par exemple, qui ont quoi, une dizaine d'années, à peine, entre 5 et 10 ans de différence, mais qui ont pris par la main ceux qui étaient plus jeunes, qui étaient complètement perdus, qui ne savaient absolument rien en Moyen-Âge, bien évidemment, quand vous êtes recruté à 23 ans ou 24 ans, vous ne savez rien, qui devaient enseigner, qui étaient dans l'arène, qui devaient en plus écrire des articles de recherche. Et j'essaye de montrer, et là-dessus, on a un maître, dont le nom, évidemment, vient tout de suite à la bouche, qui est Jacques Le Goff, et qui, avec sa générosité extraordinaire, a compris qu'il fallait qu'il mette son savoir, son nom, au service de ces petits jeunes qui débarquaient. Et des institutions aussi, des constructions, des laboratoires qu'on construit ensemble. Pouvoir justement faire avancer la discipline. Tout à fait. Alors ça, c'est un autre aspect encore de la conjoncture, si vous voulez, qui est lié, alors là, à l'esprit de génération, hein, je crois. Je pense que j'appartiens effectivement à une génération qui a le sens du laboratoire, qui a le sens du laboratoire, qui a le sens de l'autre, qui construit à plusieurs. Et là, j'ai effectivement été aidée par tous mes contemporains, à commencer par Jean-Philippe Genet, par exemple, pour le Lama,
qui ont fait des instruments qui nous ont donné la culture du laboratoire. J'aime bien cette expression. La culture. Alors, le labo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le laboratoire de médiévalistique occidentale de Paris. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui me semble tout à fait important, de se frotter à d'autres idées, à d'autres... disons qu'on avait à peu près le même âge, mais d'autres spécialités aussi, hein, l'Orient, l'Occident, l'archéologie, l'histoire, l'histoire de l'art, l'histoire, etc. Et donc, alors bien sûr, ça paraît maintenant tout à fait normal avec tous les programmes de recherche où il faut de la pluridisciplinarité. Mais à l'époque, c'était complètement neuf. Complètement neuf. Alors, je crois qu'on a... j'ai eu envie d'écrire tout cela, et effectivement... alors, bon, le côté féminin... je ne le renie absolument pas, et si ça peut aider effectivement les générations à venir, tant mieux. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce concept de génération, quand on l'applique à vos exemples ici sur cette scène dans le livre soi-même, c'est la dimension, est-ce qu'on brûle les vaisseaux sur lesquels on a passé la mer et en fait, non, vous dites non. Non. L'histoire des mentalités, qui aujourd'hui est très critiquée, dites-vous, qui même est parfois un concept ringard, oui. Selon certains. Oui, moi, j'ai beaucoup appris à cette histoire des mentalités, au laboratoire, au travail que nous faisions ensemble autour de Le Goff et d'autres, parce que ça m'a servi à penser la suite. Absolument. Et alors là, si vous voulez, on entre dans un phénomène peut-être plus structurel et plus intellectuel aussi, c'est que ma génération, en histoire médiévale, a assimilé vraiment l'anthropologie historique. Elle l'a assimilé dans tout ce qu'elle a de, je pense, de positif, en l'adaptant même à l'histoire politique. Vous voyez, on avait, alors là pour le coup, une même génération peut avoir des idées différentes, évidemment. Dans les annales, justement, au même moment, l'histoire politique n'avait pas forcément bonne presse. Parce qu'on ne voyait en elle que l'histoire des institutions, hein, l'histoire événementielle, etc. Or, là pour le coup, dans le séminaire de Bernard Guenet, dans au LAMOP, on a travaillé autrement, c'est-à-dire en assimilant l'histoire, l'anthropologie, en se posant la question de l'homme comme sujet politique. Et pas seulement les élites. Pas seulement les élites. Je pestais toujours après Guenet, justement, parce que, bon, lui, c'était d'abord les élites. Et moi, c'était, si vous voulez, à travers l'aide de rémission, l'homme et la femme de base, qui constituait, à mon sens aussi, l'opinion publique. Donc on a travaillé, si vous voulez, vraiment sur le fond de cette question, en assimilant les apports d'anthropologie politique. Moi, j'ai eu une lecture, je n'en parle pas là, parce que ce n'était pas le but, mais Ballandier m'a énormément influencé. Anthropologue. Bon. Et j'ai pu peut-être assimiler ce qu'il a dit, et paradoxalement, les travaux de Chaunu, si vous voulez, m'ont aussi beaucoup influencé en matière d'histoire de la criminalité. Donc, l'école de Chaunu, hein, Chaunu et ses acolytes. Donc, vous voyez que ce sont des horizons très différents dans une même génération, des options politiques très différentes, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est justement la fusion de toutes ces idées pour donner une teinture qui, je crois, est une teinture temporelle. Pascal Boitschel, vous écrivez que vous êtes l'historien d'à côté. On va revenir sur ce thème, l'historien d'à côté. Mais pour reprendre ce que vient de dire à l'instant même Claude Gauvard sur la question de ce que l'on fait des concepts ou des écoles supposées ou des mouvements supposés de l'histoire, l'histoire des mentalités d'à côté, ou c'est l'histoire culturelle. Et vous dites à un endroit dans votre témoignage que vous figuriez comme l'une des représentantes d'une certaine histoire culturelle à la française, autant dire à passer pour ce que les plus jeunes d'entre nous considèrent à l'heure actuelle à la fois comme conceptuellement flottant, hégémonique et dépassé. Donc effectivement, voilà, l'histoire culturelle à la française, vous y entrez, vous en êtes une des actrices lorsque vous travaillez justement auprès d'autres qui travaillent là-dessus. Que ce soit Pascal Horry ou d'autres, par exemple. Et puis en même temps, vous dites, qu'est-ce qu'on fait dans un concept aussi flottant que celui-ci, presque aussi flottant que le concept de génération dont on parle autour de cette table. Mais on va revenir sur cette question-là. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette façon de se positionner dans un
un moment d'histoire où on dit, voilà, l'histoire culturelle est là, avant même que vous y arriviez vous-même. Mais vous en êtes une actrice parce que vous allez la renouveler. Oui, alors, moi je suis née en 62, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que à chaque fois, nous avons nos dates de naissance apparaissent, voilà. Qui nous permettent de s'inscrire dans une génération, vu qu'on était deux en 62. Du coup, je fais mes études dans les années 80. J'écris qu'au fond, je suis femme ou fille des années 80 avec toutes les difficultés que cela pose. Alors pour vous, vous citez même Michel Sardou. Oui, très bien. Oui. Mylène Farmer aussi. Des années 80. Et Mylène Farmer, oui, parce que je suis fille de phénomène médiatique. Bien. Alors, dans les années 80, c'est le moment où, par le biais de Jean-François Sirinelli, par le biais de Pascal Horry, par le biais de Jean-Pierre Rioux, que ça soit à l'Institut d'Histoire du Temps Présent ou à Nanterre, émerge une forme d'histoire culturelle à la française. En gros, une histoire culturelle qui prend en compte les représentations telles qu'elles ont été définies, travaillées par l'histoire des mentalités, mais qui injecte de nouvelles notions, de nouveaux paradigmes, hein, pour utiliser un terme qui est très fréquemment utilisé, l'événement, l'itinéraire, la trajectoire, et au fond, des représentations en histoire politique. Et moi, j'arrive à ce moment-là. La petite difficulté, c'est que cette histoire culturelle en train de se faire, quand on a 25 ans, on ne comprend pas très bien ce qu'il en est. Plus que l'histoire médiévale, quand Claude Gauvary rentre à 23 ans, il doit donner des cours. On ne comprend pas ce qu'il en est, et d'autant qu'il y a toujours un décalage. Donc, au fond, cette histoire culturelle, on se retrouve avec Emmanuel Loyer, et grâce à Jean-François Sirinelli d'ailleurs, en devoir faire un manuel universitaire, à devoir théoriser, ou en tout cas en rendre compte avant même qu'un certain nombre de monographies soient écrites. Et c'est pour cette raison que je parle d'historienne à côté. Petit clin d'œil à un homme de théâtre qui s'appelle Clément Adhérer, moi-même étant plus ou moins spécialiste d'histoire des spectacles, parce qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que cette histoire culturelle-là. Le que sais-je de Pascal Horry paraît beaucoup plus tard. Il y a un article de 87 sur histoire culturelle, questions et questionnements. Et puis d'emblée, de toute façon, elle est objet de suspicion. Je dois dire aussi que cette histoire, elle s'est développée à l'IHTP, à Nanterre, à Sciences Po. Vous infirmerez peut-être ce que je dis. Et que du coup, ces institutions n'apparaissent pas forcément comme complètement légitimes dans d'autres institutions. Et voilà, il y a quelque chose aussi de ce décalage-là. Donc, à mon corps défendant, oui, je me suis retrouvée à écrire sur cette histoire culturelle qui n'avait pas été préalablement définie et que j'ai construit de manière un peu pragmatique. Mais il y a tout de même cette question des outils. Claude Gouvard vient nous parler du LAMOP. Jacques Revel nous a parlé auparavant des annales, comme lieu de discussion, de capacité aussi de promouvoir une historiographie, promouvoir un type d'histoire, etc. Vous racontez, et c'est assez rigolo, c'est presque une prise de pouvoir, comment prendre pied dans un laboratoire, le laboratoire de la rue Malher, le centre d'histoire sociale, donc créé pour faire de l'histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme, et le transformer en lieu d'histoire culturelle. Donc en fait, d'une certaine façon, c'est faire de l'entrisme pour rentrer à l'intérieur d'un outil qui existe déjà et le transformer en autre chose. C'est aussi ça, aussi, faire génération. C'est donc utiliser un outil déjà existant. On sait, par exemple, combien les jeunes militants des années 90 ou 2000 de l'anarchisme renaissant ont utilisé la vieille CNT datant de la guerre d'Espagne pour pouvoir avoir un outil syndical, pour pouvoir intervenir un peu partout dans les universités ou dans les mouvements sociaux. C'est un peu la même chose que vous faites avec le Centre d'histoire sociale de la rue Malher. C'est un peu ça, c'est l'entrée par effraction. Alors j'ai déjà raconté que je suis entrée déjà en histoire par effraction, hein, parce
que j'étais plutôt au départ partie sur les lettres. Mais c'est vrai, c'est curieux. Il y a, avec Yann, on a fait il y a quelques années une tentative d'histoire de l'histoire sociale, par, entre autres par des institutions comme celle du Centre d'histoire sociale de la rue Malherbe. Alors, à vrai dire, Pascal Horry avait ouvert la voie. Et d'ailleurs, je crois que ça n'a pas été simple du tout quand il est arrivé. Claude Gobard était là à ce moment-là. Parce que pour des gens qui travaillaient sur l'histoire du mouvement ouvrier, qui travaillaient sur l'histoire du travail, qui travaillaient sur l'histoire du syndicalisme, entendre parler de mode, de gastronomie, de rouge à lèvres, de Père Noël comme mythe contemporain, je cite les thématiques. De bikini, voilà. De bronzage, etc. C'est un peu compliqué. Alors là où c'est encore plus compliqué, c'est que moi j'arrive à un moment avec une thèse sur la décentralisation théâtrale. Or, je suis un peu en décalage, parce que j'arrive à la fin, en 2000, or l'histoire des politiques culturelles a été... je dirais le sel des années 80, début des années 90. Elle est déjà un petit peu ringardisée au début des années 2000 par justement des objets plus alléchants. Donc, nouveau décalage. Je tente quand même de m'insérer, mais c'est là où il y a une certaine plasticité, Yann, tu seras peut-être d'accord avec ça du Centre d'histoire sociale, c'est que, mine de rien, cette histoire sociale des représentations, elle a quand même trouver sa place. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est l'histoire des loisirs. De même que nos camarades, nos collègues travaillaient sur l'histoire du travail, nous, on s'est mis à travailler sur l'histoire du temps libre. Et je peux vous citer un atelier avec Françoise Tétard, aujourd'hui un décédé spécialiste de l'histoire de l'éducation populaire. Et on a fait des choses grâce au Centre d'histoire sociale. Et l'idée, c'était que l'institution, le laboratoire... était assez plastique. Voilà. Non seulement est plastique, mais transforme au fond, et conduit à de nouvelles recherches. Et ce qui fait que c'est là où il y a peut-être un effet de génération. Parce que c'est un lieu du mélange aussi, c'est un lieu des anciens et des modernes, de ceux qui arrivent et qui récupèrent les leçons des anciens, etc. Ça fait partie aussi de ce genre d'institution. Ça fait partie de la transmission. Autre exemple très concret, un dictionnaire vient de sortir sur le prix du travail. Eh bien, on a fait appel à des gens... de mon type, pour travailler sur les rétributions symboliques, sur les récompenses, les prix, le jeu des consécrations, y compris festivalières. Ça, il me semble qu'il y a quelques années, on l'aurait moins fait. Et de ce point de vue, voilà, peut-être que je fais partie d'une génération qui a irrigué cette forme d'histoire sociale, et qui du coup se trouve en décalage avec la génération suivante. Bibier Pavard, alors... Bon, je peux le dire, parce que c'est marqué dans le livre, né en 1980. Oui. Voilà. Vous insistez sur le fait, et c'est amusant, parce que ça fait le lien avec le premier qui est intervenu, à savoir Jacques Revel, qui évoque la supposée crise de l'histoire. Il dit, je crois que c'est comme ça que vous dites, Jacques Revel, dans votre texte, ce que certains pensent être la crise de l'histoire. Et vous, vous dites, oui, je suis une fille de cette crise de l'histoire, et j'entre en histoire au moment où on dit qu'elle est en crise. C'est important, ça? Alors oui, parce que moi, je voudrais commencer par dire une chose, c'est que je suis quand même passablement impressionnée d'être autour de cette table. Évidemment, on est en 80, voilà, jeune génération, c'est pour moi un honneur d'être entourée d'historiennes et d'historiens aussi éminentes et éminents. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, ça m'a paru assez évident, en fait, de me saisir de cette question de la génération, contrairement à d'autres qui ont hésité. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi ça m'avait paru évident. Alors je pense qu'il y a une raison... qui est personnel, et j'y reviendrai, une raison qui est professionnelle, évidemment. J'ai été élève de Jean-François Thierry-Lévy, qui est donc a prôné cette génération pour comprendre l'histoire, mais aussi parce que mon objet d'étude, l'histoire des féminismes, est traversé par cette question des renouvellements générationnels. La question... On parle de vagues, on parle pas de génération. On parle de vagues, mais la question générationnelle, elle est omniprésente. Et la raison personnelle aussi, je pense, c'est que je suis une fille de 68 ans et que c'est vraiment la génération qui s'est quand même pensée comme une génération. Donc je pense que, pour moi, ça m'a semblé un peu plus évident. Pour revenir sur votre question des crises, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à étudier l'histoire à l'université, alors en Hippocagne et en Cagne, au lycée Saint-Sernin à Toulouse, et puis à l'université Toulouse-le-Mirail, ce que j'apprenais, en fait, c'était... qu'on était à l'heure de l'histoire en miettes,
pour reprendre l'expression de François Dos, c'est qu'on était donc dans un moment post-crise de l'histoire et que donc il y avait une certaine nostalgie pour moi en tant qu'étudiante de parler des écoles, alors évidemment les annales, pour moi ça paraissait un temps bien révolu, avec le, voilà, qui semblait bien lointain, effectivement. Disons que le château fort en Lego avait été cassé et on ne savait plus comment le remonter, c'est un peu ça la... Voilà, et alors bon, évidemment, cette dimension de crise, elle a été aussi très, très stimulante, parce qu'elle a permis à certains domaines de se développer, et en particulier, on va dire que l'histoire des femmes, du genre, des féminismes, s'est aussi développée dans ce moment post-crise, mais je sens que... je voulais rebondir sur la notion des filles de crise, parce que c'est une des difficultés, je crois, des années 80, où on nous explique partout que l'histoire est en miettes, que c'est la crise de l'histoire, alors que honnêtement, quand on est à l'université dans ces années-là, il se passe énormément de choses. On s'éclate pour Jean-Pierre Vernant, Pierre Laborie, tout le renouveau de l'histoire politique. Vous parliez d'anthropologie, mais je pense à toute l'archéologie qui sert à l'histoire ancienne. Je pense à tous les travaux de Peter Brown sur le symbolique. Donc, a posteriori, quand on s'entend dire, mais je vois bien parce que tu dis que tu es fille de la génération de 68 qui elle-même se pense comme génération. Mais le problème des années 80, c'est qu'on a du mal à se placer. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai fait aussi un peu un plaidoyer pour dire les années 80, ça n'est pas... la crise de l'histoire, histoire en miettes, qu'on a bien voulu décrire à posteriori. Défense de génération, Yann Potin. Non, juste avant de redonner la parole à Vivien, c'est une petite précision sur l'histoire en miettes, pas le livre, sur l'expression, puisqu'en plus le Figaro l'a reprise hier en la renouvelant sur la crise perpétuelle, là en assimilant l'histoire globale à l'histoire. Il faut préciser que c'est une expression qui est due à la plume de Pierre Nora de 1971, donc exactement 16 ans avant le livre de François Dos, et qui est tout simplement le texte manifeste de la bibliothèque des histoires, et non pas de l'histoire. Et qui avait évidemment un lien entre la création de cette bibliothèque des histoires en 71, et Jacques Revel en a aidé, l'a porté aussi sur les fonds baptismaux au même moment. Donc voilà, c'est tout. Pour dire que, donc, après cette expression, encore un phénomène, a été pris comme un phénomène de génération à la fin des années 80, alors qu'en fait, elle est là depuis 20 ans. Je pense que ça résume un peu les effets réticulaires. Dites-le pas, alors, est-ce que donc, je ça, c'était l'histoire, ça, c'était l'histoire, en fait. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, et ça, je l'ai retrouvé dans le témoignage de mon collègue aussi, né en 1983, on va le dire, c'est qu'on a aussi une expérience... du moment qu'on est en train de vivre, qui est celui quand même des crises à répétition. Donc on apprend à l'école que c'est la crise post-choc pétrolier, la hausse du chômage, on a 9 ans en 89, on arrive à l'âge adulte au moment de 2001 et du 11 septembre, et de 2002 de Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc on a quand même une histoire qui est marquée par ces effondrements donc successifs, mais effectivement, il faut le dire aussi, c'est un moment très très vivifiant pour l'histoire, et notamment pour l'histoire des femmes et du genre, qui a quand même pris son essor dans les années 80 et 90, et quand j'arrive sur ce domaine-là, il est déjà bien balisé. Il y a déjà 3 générations de femmes qui ont réussi à l'imposer à l'université, et j'en suis très reconnaissante, et je suis effectivement l'héritière de ces générations. Donc on ne peut pas avoir évidemment un tableau qui est complètement noir de cela. Et pour revenir sur les institutions, je ne sais pas si ça allait être votre prochaine question, mais effectivement pour moi, l'histoire des femmes... La question, c'est que c'est d'autant mieux pour moi. L'histoire des femmes... Parce que... Mon jeu est déjà étalé sur la table. Donc, ouais. Donc ce que j'ai voulu préciser aussi, c'est que malgré le fait que l'histoire des femmes était déjà installée dans les années 90, au moment où je commence mes études en prépa ou à l'université, c'est pas vraiment par les cours que
j'apprends l'histoire des femmes, même si l'histoire des femmes en Occident est déjà sortie depuis longtemps et a fait beaucoup parler de lui et a été un livre très important. C'est pas ça que j'apprends sur les bancs de l'université. Par contre, c'est à partir du moment où je vais pouvoir commencer ces recherches, hein, qui sont possibles parce qu'elles ont été rendues possibles par ces différentes générations qui m'ont précédée, que je vais pouvoir bénéficier d'institutions qui ont été mises en place par mes aînés. Alors évidemment, il y a la bibliothèque Marguerite Durand à Paris qui joue un rôle essentiel parce que c'est une bibliothèque spécialisée en histoire des femmes, sur le féminisme aussi, qui depuis les années 30 donc, joue le rôle de la transmission de cette histoire. Et puis, l'archive du féminisme. Il y a évidemment des associations comme l'association Mémosine pour l'histoire des femmes et du genre et l'association Archive du féminisme qui vont être des lieux où je vais pouvoir me socialiser à cette écriture de l'histoire. Et ça aussi dans le cadre du centre d'histoire de Sciences Po, dirigé à l'époque par Jean-François Sirénelis. C'était là, dans un centre d'histoire relativement classique et traditionnel, où on laisse la possibilité à des chercheuses comme vous, justement, d'ouvrir des voies ou de continuer les voies qui ont été ouvertes par d'autres historiens du féminisme avant vous. Exactement, c'est-à-dire que j'arrive au moment où l'histoire des femmes et du genre est en train de se diffuser dans les différentes universités. Elle n'est plus simplement l'apanage de certaines universités qui ont été pionnières. Et j'arrive aussi au moment où le genre, comme concept utile à l'analyse historique, commence à être accepté, à être discuté, non plus seulement par les spécialistes, mais par l'ensemble de la communauté des historiens et des historiens. Donc, qui est un débat, je dirais, encore en cours, hein, évidemment, mais qui est possible, disons, à ce moment-là. Alors, avant de donner la parole au cadet de cette troupe, Jacques Robert, vous vouliez intervenir. Oui, juste de vous. Il me semble que tout ce que nous avons décrit, les uns et les autres, de différentes générations, ce sont des phénomènes de troubles et de recomposition. Ce qui est après tout un régime scientifique normal. Il y a un moment où on bute sur le moindre rendement de choses qui nous paraissaient évidentes. Et le mieux, c'est d'essayer de construire un peu différemment le questionnaire que nous posons et de le poser sur des objets différents ou différemment. Deuxième point, Claude Bovard et moi, nous appartenons à la génération de 68 et Dieu sait qu'on nous a dit qu'elle existait. Nous avons été l'un et l'autre engagés dans le mouvement 1968. Les effets historiographiques du mouvement me paraissent beaucoup moins évidents. En tout cas, ils n'ont certainement pas été immédiats. Claude est devenu une très bonne médiéviste, comme on devenait une très bonne médiéviste, ou un très bon médiéviste dans sa génération. Je suis devenu un moderniste. C'est dans le courant des années 70, quand nous avons acquis un peu de maîtrise du métier, que nous avons un peu dépassé les meubles. Et vous ne pensez pas, par exemple, Jacques Revel, que la prise de parole de Michel de Certeau, écrite dans la foulée de 68, et que le travail de Terminal Naquet avec Alain Schnapp, par exemple, sur le journal de la commune étudiante, ont pu avoir des effets historiographiques postérieurs, alors qu'ils étaient vraiment issus de 68. Je pense que... Bon, il se trouve que j'ai été proche de ça. Ben, c'est pour ça que je vous dis. De l'un et des autres. Je pense que il n'y a pas eu de transcription immédiate, plutôt beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, mais des gens dont je suis proche, ont vécu de manière un peu schizophrène. Nous avons continué à pratiquer le métier que nous avons commencé d'apprendre avant, de manière relativement classique, et nous avons, avec plus ou moins d'importance, réservé la dimension réflexive à une sorte de commentaire. Et puis, ce commentaire a pris plus d'importance à mesure que nous étions mieux assis professionnellement. Pascal Boisseau, vous voulez dire ? Oui, après 90. Pour moi, en tout cas, toute cette assimilation du passé, c'est, on va dire, à partir du moment où j'ai créé un séminaire, voilà, là, vraiment, à partir des années 90. On intériorise, tout à fait, David Jacques, on intériorise, on apprend,
Et puis, on fait quand même un travail d'historien, j'allais dire classique, en se disant, bah oui, tiens, je vais interpréter les sources autrement, peut-être, et regarder quelle échelle, voilà, je vais utiliser. Simplement, on a des renversements, si vous voulez, qui sont bien plus lents. Que ce qu'on pourrait penser. C'est pas un effet immédiat. Pascal Gottschall, voilà. Alors, de réflexion sur, justement, l'effet retard. Vous parliez de Michel de Certeau et de Pierre Vidal-Naquet. Typiquement, j'ai l'impression qu'on a été abreuvé dans les années 80 et 90. Raphaël Branche n'est pas là, mais elle pourrait en témoigner de ses écrits. Donc, petit effet retard. Comme par exemple aujourd'hui, Walter Benjamin fait un effet terrible sur la génération des jeunes historiens d'aujourd'hui. Enfin, donc il y a aussi ce retard là aussi. Oh, oui. Et même des vieux t-shirts. Pas mal. Alors, effet retard, effet rebond. Et l'autre chose que je voulais dire, puisque je suis au fond comme une génération un peu coincée, y compris sur le plan démographique, hein, nous sommes peu nombreux et nombreuses, c'est que la transmission, elle ne se fait pas forcément des aînés vers les cadets, mais l'inverse est également vrai. Et je dois dire que les jeunes générations, elles nous poussent aussi à renouveler nos questionnaires. La question du genre, même quand on ne travaille plus pas au départ là-dessus, elle traverse nos interrogations. Donc en fait, ça fonctionne dans les deux sens. Il y a pas rien avant de donner la parole. Désolée, juste rajouter quelque chose là-dessus. Pour le coup, en histoire des femmes et du genre, l'effet de 68 et des mobilisations féministes des années 70, elle a un effet quand même assez important et assez rapidement, puisque on le voit avec le parcours de Michel Perrault, qui est donc incité par ses étudiantes à travailler sur... Bouleversé, d'une certaine façon. Voilà, et donc là, pour le coup, il y a quand même quelque chose qui se joue dans mon domaine de recherche, et en particulier en travaillant sur les féminismes, où là, en histoire très contemporaine, on est sans cesse... mise en question, interrogée par ce qui est en train de se passer, qui nous permet en fait aussi d'avoir un regard un peu différent sur l'histoire et de changer aussi nos points de vue. Alors le lino de la table, il est là, que tu vois, c'est vrai, Guillaume Carafac. J'ai plus rien à dire. Né en 1983. Si, parce que en fait, il y a quelque chose de très passionnant dans ce que vous expliquez, Guillaume, c'est l'arrivée de nouveaux outils, que je trouve... passionnant parce que vous dites, ben voilà, vous êtes un enfant de l'après 1994, c'est l'invention du World Wide Web, c'est donc les 3W qu'on a maintenant tous les jours sur son ordinateur, et vous dites, moi je suis le fruit de cela en tant qu'historien, des nouveaux outils qui sont mis en œuvre et qui nous permettent de faire l'histoire différemment, sinon autrement. En tout cas, j'essaie d'expliquer dans le petit texte que je ne vois pas comment on pouvait en faire autrement. C'est peut-être la différence, parce qu'en fait, on a expérimenté aussi ces nouveaux outils, et je dirais qu'entre ne serait-ce que le début de ma vie de recherche en maîtrise et aujourd'hui, les seuils considérables ont été franchis dans la numérisation, dans l'accès aussi aux fonds d'archives que l'on peut soi-même numériser. Par exemple, je travaillais sur des fonds d'archives italiens. Quand j'ai commencé ma thèse, je ne pouvais pas faire de photos dans les archives, c'était impossible. Et si c'était le cas, il aurait fallu déjà des outils qui supposaient de faire une quarantaine de photos, puis ensuite de les décharger sur l'ordinateur, etc. Aujourd'hui, c'est possible, ça change tout en fait. Ça change littéralement tout dans la façon dont on peut recomposer des séries, dont on peut justement aussi repenser quelques outils de l'histoire quantitative et une nouvelle forme de manière de faire de l'histoire quantitative. Et cela, je crois, est quelque chose d'assez optimiste dans ma bêtise. Enfin, j'ai envie d'être optimiste de ce point de vue-là. La crise de l'histoire, je crois qu'on l'a relativement digérée. On a vu que l'histoire avait un certain nombre de protocoles stabilisés, etc. Et que nous étions précisément dans une période aussi de recomposition, de reformation d'un certain nombre de projets autour de l'histoire, par exemple, sérielle. On peut lancer, et c'est aussi lié à des systèmes de financement actuels, de grandes enquêtes. Peut-être qu'on retrouvera les mêmes impasses, c'est possible, ou qu'en tout cas, le problème c'est aussi de trouver ce que l'on cherche au départ, ce qui n'est pas forcément toujours très satisfaisant, et Jacques Rebelle l'a dit. Mais je crois que nous sommes justement face à cette nouvelle manière de faire, rendue possible par aussi un accès très facilité aux archives à l'étranger, dans différents fonds, et cela, je crois, est extrêmement, extrêmement positif, et nous en sommes aussi à l'orée, donc je ne considère pas de ce point
point de vue-là, comme le représentant d'une génération 2-0, etc. Je veux justement dans la génération 1-0. Ça a commencé doucement à se mettre en place. Et puis, vous expliquez très bien dans cet article que ça, c'est moins positif, mais vous êtes aussi le fruit d'une génération qui s'est trouvée confrontée au négationnisme, au grand procès des années 90, qui sont les procès autour de la Seconde Guerre mondiale, procès Papon, procès Touvier, des lois, qui sont les lois Guesso, les lois Taubira, etc., qui peuvent apparaître comme limitant le travail de l'historien, même si elles sont souvent saluées, mais on sait combien il y a eu des discussions dans le corps des historiens autour de la présence de ces lois, ou que ce soit aussi sur le génocide des Arméniens, etc., etc. Et donc vous êtes aussi, après cela, vous arrivez dans le métier après ces questions et ces débats de société qui mettent en cause aussi le travail de l'historien par rapport à une société dans laquelle qui est traversée par ces questions de vérité, de mensonge, de négationnisme, etc. Oui, je crois de ce point de vue aussi que là, il n'y a sans doute pas de différence générationnelle, peut-être plus de différence politique par rapport à ces lois. C'est-à-dire, on peut y reconnaître justement un outil important pour éviter des discours de haine dans l'espace politique et social. Et je pense que dans ma génération, on est un certain nombre à penser que ces lois sont très importantes et qu'il faut les maintenir. Il y a aussi, bien sûr, un certain nombre de freins qui peuvent être posés à la recherche. Et là, effectivement, il faut en discuter. L'espace politique du chercheur a évolué aussi avec ses nouveaux outils, avec les réseaux sociaux, avec la manière dont aujourd'hui on peut faire passer un certain nombre de textes, d'idées dans une arène qui est sans doute élargie, pas toujours pour le meilleur d'ailleurs, mais qui est un espace de débat. Mais qui dit que les historiens ne sont pas tout seuls d'une certaine façon à parler du passé. Non, ça c'est sûr. Et ça, comment dire, dans ma génération, si je peux me permettre une petite anecdote que je ne mentionne pas dans ce texte, et c'est presque un repentir, mon premier rapport à l'histoire, là, je raconte ma vie, j'ai essayé de ne pas trop le faire, d'accord. Non. Mais. Vous donnez, disons, d'état civil. Je donne au début départ, parce que. Si je m'appelle Attel, je suis une Attel Paille. Pour me situer, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, enfin, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, mais à 6 ans, donc, il y a la commémoration de 1989. Donc c'est un premier rapport à la mémoire. Et quand j'y repense, on était tous donc, déguisés en sans-culottes dans ma classe, sauf un. Enfin, sauf deux, il y en a un qui en voit des bois, mais c'est pas. Mais il y avait un qui était en roi, mais on voulait tous, on était jaloux, on voulait tous être roi. C'était en plus le fils de la maîtresse. Et on s'était dit, on n'avait rien compris, mais littéralement rien à ce qui se passait là. Mais on était tous déjà, ans, on faisait des processions, on était tout content, mais on voulait tous être roi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été confrontés aussi à posteriori, quand on a pu lire des débats autour du bicentenaire, et des débats historiographiques qui ont été portés dessus, on était finalement acteurs aussi d'une scène politique, d'une scène autour du rapport des historiens à la mémoire, des historiennes et des historiens à la mémoire, qui étaient tout à fait... Je ne suis pas sûr que tous les musiciens qui défilent sur les Champs-Élysées le 14 juillet 89 savent exactement ce qu'ils font et ce qu'on leur fait faire. Quand Jean-Paul Goude leur demande d'avoir une lampe de mineur sur le front, en même temps qu'ils ont leur partition et qu'ils jouent du milieu, c'est pas tout à fait évident qu'ils savent exactement ce qu'on leur fait faire. Non, bien sûr, mais c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire dans un essai d'écrit d'histoire, c'est-à-dire une recomposition a posteriori pour expliquer un rapport entre histoire et mémoire qui est complexe, et en l'occurrence, qui, de fait, aujourd'hui, se jouerait sans doute sous des termes différents. Jean-François Cirinelli et Yann Potin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que en faisant ce travail, d'abord, c'est un travail qui est plus riche quand on le lit que quand on prétend y entrer en pensant justement que cette idée de génération n'est pas forcément valide, donc ça prouve que ça a son utilité, mais qu'en procédant comme ça, il y a peut-être quelque chose qu'on ne dit pas ou qu'on dit de façon un peu annexe, les divisions, les séparations, les oppositions, les fractures et parfois, sans sur les murs, les vraies oppositions qui sont au cœur du métier d'historien, c'est-à-dire des vraies fractures d'école, par exemple, qui peuvent aller très loin dans la confrontation. Est-ce que ça n'édulcore pas justement cette question?
Oui, vous avez tout à fait raison. On a été sans cesse confronté avec Yann à la question suivante, quand on réfléchissait. La première, j'y faisais allusion tout à l'heure avec un mauvais jeu de mots sur la maison de la machine, c'est de créer, effectivement, des générations. C'est un danger qui menace chacun d'entre nous en tant que... La prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire se faire démiurge, créer quelque chose qui n'existe pas, le créer avec un appareil scientifique qui l'enrobe et qui lui donne vie. Donc là, déjà, il y avait ce souci constant. Le deuxième souci, mais que nous avons essayé naturellement d'éviter, le deuxième souci, il est plus réel parce qu'il est constant. C'est que même quand on constate qu'il y a des générations, et il me semble, en écoutant mes collègues, qu'il y a des générations, ou en tout cas des classes d'âge qui ont eu des histoires successives et communes différentes, je parlais de quatre au passage parce que je songe aux étudiants de mes collègues qui exercent, et qui est la génération en gestation, la future génération d'historiens. Mais je reviens à mon propos en disant que oui, le second souci, c'était que on donne l'impression d'une corporation historienne sédimentée. Or, vous le disiez à l'instant, il y a aussi tout ce qui est capillarité entre ces générations. D'abord parce que des écoles, heureusement, ce sont des générations qui se transmettent, et d'autre part parce que, Claude Govard le disait en commençant, ce qui nous passionne tous sur la notion de génération, c'est que loin de compartimenter, ça insiste sur les phénomènes de transmission. Les générations n'existent que parce qu'elles créent à un moment donné, elles ont été le produit d'une histoire, mais aussi des nés, et elles transmettent à d'autres. Et donc, oui, vous avez bien compris que je rebondissais sur ce que disait Guillaume Calafat, c'est-à-dire, par exemple, cette question des lois Taubira, des lois sur la mémoire, qui ont divisé profondément, et ici même, à Blois, divisé les historiens et les historiens entre eux. Mais alors, enfin là, je crois que, je ne sais pas si on sera d'accord, d'ailleurs, mais en fait, il va de soi que définir une génération, si tant est qu'on puisse le faire, une fois de plus, je pense que c'est précisément un concept flottant. Moi, je préfère d'ailleurs les concepts flottants que les concepts coulants, hein, je vous le dis franchement. Donc, je préfère flotter, continuer à flotter, que couler avec certains concepts qui paraissent avoir des problèmes de rendement, que vous disiez, ou d'un certain temps de la combattre. Donc, voilà, je préfère rester sur le flotteur. Donc, c'est justement qu'il ne distingue pas l'objectif du subjectif. C'est-à-dire que l'un nourrit l'autre et à la fois le contredit. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose quand même qui est très clair. Une génération, si tant est que ça existe, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, tout le monde partage le même problème. C'est même le contraire. C'est précisément, on pourrait dire que quand on repère des divisions, des tensions, des rapports de force, on peut recomposer une génération. Une génération, en fait, si tant est que ça existe ou que ça existerait, c'est un microcosme. Oui. Donc c'est un microcosme, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la gauche et de la droite. Oui, mais on sait bien qu'en 89, par exemple, la bagarre sur la Révolution française, elle traverse les générations. Il n'y a pas simplement la génération Furet et de Mona Ouzouf et des générations qui ne sont pas, et de Vauvel de l'autre côté. Mais la façon justement de le ressentir est précisément que c'est bien pour ça que dans les critères très, je veux dire, un petit peu mollassons, mais volontairement mollassons, qu'on a choisi pour délimiter ces tranches. J'aime bien la notion de critères volontairement mollassons. Je ne sais pas si c'est vraiment flottant. L'objectivisme est toujours problématique. Je veux dire, il y a l'expérience, disons, minimale, le dénominateur commun, qui, en tout cas, est un peu comme une espèce de date butoir. C'est-à-dire, effectivement, avoir 20 ans en 1848 ou avoir 30 ans en 1848, 40 ans, c'est clair que ça ne détermine pas la même façon, pas seulement d'écrire de l'histoire, mais d'abord de s'engager dans l'histoire. Parce qu'on peut même considérer qu'il y a plein d'événements partagés qui cimentent une façon de dire que l'histoire, du coup, c'est d'ailleurs tout à fait le principe même de l'idée d'histoire que le contemporain, on se met à faire de l'histoire parce qu'on estime qu'à un moment donné, c'est aussi une façon d'agir, tout en étant dans un bureau. Donc ça voilà. Donc effectivement, l'expérience du feu, l'expérience de la conspiration, etc. Enfin, je n'en parle même pas. Ou encore le 11 septembre. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui va se dessiner sans aller sur le numérique. C'est les personnes qui ont vécu le 11 septembre en ayant une conscience politique ou pas. Voilà, c'est des choses évidentes. Jacques Revel et Jean-François Sérénani. Jacques Revel. Oui. Qui est des trames de fond générationnelles, c'est évident. Notre génération a connu et s'est formé politiquement
à la fin de la guerre d'Algérie, entre la fin de la guerre d'Algérie et 68, ce qui est une expérience que je ne souhaite pas à d'autres, mais qui a été la nôtre. Nous avons connu l'ouverture d'une université, celle dans laquelle nous avions été formés, des encore relativement peu nombreuses. Nous sommes entrés assez facilement dans une université devenue massive. Bon, ce sont des éléments communs. À partir de ces répertoires, on en fait des choses différentes. Et il me semble que si on veut penser utilement la notion de génération, il faut la penser de manière relationnelle, c'est-à-dire comment nous situons-nous par rapport à d'autres que nous avons identifiés et choisis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essentialisme générationnel. On construit avec les moyens de bord des relations. On va chercher les ancêtres et parfois même on se les invente. On se les invente. Et parfois même on essaie de se projeter à travers les gens qui après nous auront travaillé avec nous puis avec d'autres et auront pris de l'argent. Jean-François Sirani, peut-être en un mot pour ne pas monopoliser la parole. Je dirais que les limites de la génération, on les trouve dans au moins deux domaines. Le premier domaine, j'y reviens, à supposer que des écoles historiques existent. Je dis à supposer parce que ce n'est pas évident, mais quelquefois, effectivement, il y a des mouvances qui deviennent dominantes intellectuellement et épistémologiquement. Elles n'existent précisément que parce qu'elles transcendent les générations. Et donc là, si vous voulez, la notion de génération joue, mais joue en valeur ajoutée parce qu'il y a plusieurs générations qui ont sédimenté. Deuxième limite, il y a des moments où la clé générationnelle ne marche pas du tout. Vous avez à l'instant, il y a 10 minutes, évoquer ce qu'on a appelé les lois mémorielles. Et de fait, avec tact, vous avez rappelé qu'il y a eu véritablement des débats endogènes, surtout en 2005, puisque l'un des collègues s'est trouvé, confronté à des questions de justice, en quelque sorte. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, c'est créé une association qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours son nom, Liberté pour l'Histoire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est créé une autre association. Le comité de vigilance des usages de l'histoire. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment divisé les historiens, mais pas du tout sur des lignes générationnelles. Pas du tout. Et donc là, vous voyez, la clé n'est absolument pas opérationnelle. Donc, il faut connaître les limites, effectivement, de l'outil que nous avons utilisé. Guillaume Calafate, et puis peut-être des questions du public, j'imagine qu'elles sont nombreuses. Il y a peut-être un point aussi où la génération fonctionne assez bien, c'est précisément sur les conjonctures professionnelles dont a parlé aussi Claude Gobard. Et en ce qui concerne la génération donc, des nés à la fin des années 70 et début 80, c'est vrai que si on peut être très optimiste du point de vue de la vitalité de la recherche, des objets, de ce qu'on peut faire avec de nouveaux outils, etc., la conjoncture professionnelle est sinistrée et dans un état vraiment très difficile. Et l'accès au poste fait que des générations historiennes se réduisent du point de vue professionnel. Si on faisait par exemple une histoire relationnelle aussi des trajectoires des personnes formées en histoire aussi dans l'université française, et encore l'histoire se porte parfois mieux que d'autres disciplines voisines des autres sciences sociales, eh bien, on verrait que précisément l'accès au monde de la recherche à l'université est difficile, l'accès au métier de professeur de collège, de lycée est difficile, de plus en plus difficile, et que précisément des historiens, des gens formés à l'histoire aujourd'hui trouvent d'autres métiers. J'ai ressenti le coup plus tôt, mais d'une certaine façon. Et en 62. 60. Mais ce point me semble intéressant, c'est-à-dire que s'il fallait, par exemple, réfléchir en termes de représentativité autour des questions de qui représente la génération des historiennes et des historiens des années 80, c'est quelqu'un qui aurait fait autre chose. Ouais. Autre chose, ou en tout cas serait dans des états de difficulté d'accès au poste. Claude Gobard, et puis une question du coup. Oui, moi je voudrais dire, pour ajouter la confusion, qu'un même individu peut évoluer. Bien sûr. Et que ça, il ne faut jamais l'oublier. Je prends un exemple qui est le mien. J'ai fait de l'histoire quantitative, parce que effectivement, dans ma génération d'origine, on peut dire, dans les années 70-80, il n'y avait pas d'histoire sans histoire quantitative. Avec l'outil de masse qu'a été l'ordinateur. Hein, bon. Et puis, alors est-ce que c'est un phénomène d'âge parce que
effectivement, on peut se permettre plus de fantaisie. Là, je parle sous le contrôle de Jacques Revel. La micro-histoire, l'échelle qui change d'angle, il m'arrive de faire de la micro-histoire. Et ce n'est pas un effet de mode. C'est peut-être aussi, peut-être que c'est un effet de mode. Peut-être que c'est la confrontation avec, justement, d'autres historiens qui fait que j'ai changé mes méthodes, mais pas vraiment. C'est-à-dire que je ne renie rien. Je ne renie rien du substrat quantitatif, mais je peux, parce qu'il y a peut-être parce qu'il y a eu ce substrat quantitatif. Restons prudents. Je suis à peu près sûr de ce que j'écris quand je prends un petit exemple sur un lieu donné, avec toutes les précautions de l'histoire, de la micro-histoire. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué, hein, la génération. Non, moi, je voulais rebondir avant d'échanger. Je voulais remercier d'abord aussi tous les participants et les participants, parce que je pense que heureusement que ces choses-là sont enregistrées, parce que finalement, ça donne envie de penser la suite sur ce mot de relationnel, en fait. Évidemment que c'est cette histoire sociale, relationnelle et culturelle aussi, par la génération plutôt que des générations, qu'on a essayé de faire à 56-58. Et je dois dire que de ce point de vue-là, ce qui me semble aussi s'être dégagé, vous l'avez peut-être tous et tout entendu, c'est que non seulement, bien sûr, il y a des coordonnées institutionnelles démographiques, pourquoi ne pas dire qu'en effet, les classes creuses de 14, forcément, quand elles sont arrivées, même encore dans une université très peu ouverte, avec très peu de postes, ça a été quand même plus facile, parce que c'était moins nombreux, etc., etc. Mais il y a une chose dont tout le monde a parlé, je crois, justement, et qui est en train, pour le coup, de disparaître, et qui était précisément un producteur d'effets de génération, parce qu'il était un mélangeur de génération, c'est le laboratoire. Tandis que aujourd'hui, la recherche sur projet, je ne suis pas sûr qu'elle favorise cette dynamique qui produit de la génération, précisément parce qu'elle mélange des générations ou des gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, etc. C'est pas seulement un appel, si j'ose dire, à la nostalgie, mais tout le monde. Alors, je pense que tout le monde a vu comment le mot de laboratoire, tout le monde a fait comme ça. Ah oui, mais il n'empêche que le laboratoire, justement, on a dit tout ça, c'est une expérience, c'est un mélangeur. Le laboratoire, le mélangeur, l'éprouvette, le mélangeur, c'est bien un mot qui nous vient du laboratoire. Donc, de fait, le fait que ce laboratoire soit en train de devenir un fantôme, littéralement, de l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, même si il a pris des mots en apparence des hypermots, l'ADEX et autres, il n'empêche que concrètement sur la vie quotidienne, et pas simplement parce que la recherche est dématérialisée et localisée, il ne s'agit pas d'avoir un discours nostalgique, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui rend encore plus difficile la perception ou le délitement de ces effets générationnels qui une fois de plus produisent de la génération par le mélange des genres et des générations. Des questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui tourne. Oui. Une question devant, ici. Montrez bien si vous voulez poser des questions. On a un petit quart d'heure pour les questions, pas plus, parce qu'ensuite, il faudra qu'on dégage la salle. Oui, merci. Allez-y. Alors, je ne sais pas si le concept de génération est très opératoire. Dans tous les cas, on est prêt à vous suivre. Moi, je n'ai pas vu le livre encore, mais j'imagine que le panel que vous représentez est assez représentatif de ce qu'est le livre. Et ce qui me frappe, c'est que c'est l'absence de la génération 50. Alors, si je puis dire un mot, quel aurait été l'intérêt de la génération 50 si elle n'est pas représentée? C'est un, de se retrouver précisément dans ce que disait Jacques Revel, le coup d'après, d'être formé dans une université qui est complètement chamboulée. Et où, au fond, la notion de génération historienne n'a plus de sens. Parce que l'histoire est diluée dans une multitude de possibles qui fait qu'au fond, nous sommes, je dis nous, hein, parce que je suis de la génération 50, nous sommes de la génération des sciences sociales, avec un passage extrêmement fluide d'une discipline à l'autre, et où, au fond, le choix de l'histoire se faisait pour des raisons très très particulières, on ne va pas s'étendre là-dessus, probablement parce que c'était la discipline la moins terroriste du point de vue théorique,
La seconde différence, je dirais, c'est que c'est une génération qui a été, sur le plan institutionnel, bloquée par tous les cas en son début, plus de postes, tout avait été pris, hein, quand on est arrivé au moment de pouvoir avoir des postes des années 80. Et puis la troisième chose à laquelle vous serez sensible, je pense, c'est que l'histoire s'impose dans les médias et que c'est un rapport qui subsume complètement l'institution universitaire. Vas-y. Merci, je note, puisqu'il s'agit de Dominique Pionniapra, historien médiéviste, très connu, bien entendu. Alors, d'abord, premièrement, en fait, là, je donne un élément de contexte technique. C'est que d'abord, les tables rondes, malheureusement, on ne pouvait pas faire venir. Déjà, on a fait exploser le chiffre des tables rondes. Il va de soi, là, le panel que vous avez devant vous, chers amis, et ne concerne que la deuxième partie du livre sur trois, déjà. Donc ça, c'est déjà important. Et qu'on a adopté un principe un peu idiot, on s'est dit, les deux plus anciens, parce qu'on voulait aussi concilier la parité et la représentativité, donc les deux plus anciennes, les anciens et les deux plus récents, et quelqu'un au milieu. Résultat des courses, enfin au départ ça devait être même deux au milieu, mais la personne n'a pas pu venir. Donc, bon, voilà, ça c'est pour la réponse concrète. Heureusement, il y a des gens des années 50 et nombreux, très nombreuses, Claudia Moitier, Isabelle Crozet-Pavant, son texte s'appelle 40 ans de solitude, ou presque, je vous invite à le lire, Lucien Belli, Anita Guéraud, Christophe Prochasson, on peut considérer qu'il est né dans les années 50, etc. À l'extrême fin. Voilà, donc ça c'est pour la réponse, mais en effet, et c'est je crois aussi ce que Feuilletage, on va continuer les métaphores molassonnes, en tranche napolitaine, si j'ose dire, où il y a du... c'est que, autre aspect assez objectiviste, c'est qu'en effet, une génération bouche celle d'après, en tout cas dans certains régimes institutionnels, on l'a vu parfaitement, par exemple avec une génération dans la première partie, qui est la génération née avant 1910, qui arrive, celle de Brunel, on va dire, qui arrive très tard, pour plein de raisons, prisonniers, guerres, etc., à des postes, mais parfois de manière fulgurante. Ben, Brunel passe quand même en 6 mois de la soutenance de la thèse au Collège de France, c'est un cas unique dans l'histoire. Il soutient sa thèse, et 6 mois après, il est au Collège de France. C'est, il n'y en aura pas d'autres, enfin, je pense pas. Donc, il faut laisser de l'espoir, quand même. Voilà. Et pour des raisons très précises à ce moment-là. Et évidemment, cette génération-là, Marou, Brodel, Labrousse, un peu plus vieux, ils vont rester quand même assez longtemps, voire même très longtemps. Vernon, qui arrive tout de suite après la guerre, aussi, c'est pareil. Voilà, exactement. Et donc là, en effet, donc il y a ce phénomène. On a essayé, disons, de cumuler tous ces facteurs pour essayer de montrer ce côté, alors là, pour le coup, lithologique du relevé stratigraphique, c'est-à-dire qu'il y a des couches épaisse et tendre, il y a des couches plus restreintes et extrêmement dures qui vont rester jusque tard et s'accrocher, etc. etc. Mais à la fin, c'est l'humus, à la fin. C'est la plus... Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une main qui se lève là-haut. Oui, allez-y, le micro arrive. Merci beaucoup. Alors, né en 1993, je suis un bébé chercheur, bébé chercheuse. Je voulais vous demander d'abord une chose, peut-être un peu à l'heure de l'Internet, un conseil que vous donneriez tous, issus de ces générations différentes, aux jeunes chercheurs d'aujourd'hui, pour leur donner un peu d'espoir dans ce monde quelque peu sinistré. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le constat. Et la deuxième chose qui m'échappe, l'affaire du laboratoire. Moi, en tant que jeune doctorante, je me demande aujourd'hui comment est-ce qu'on peut créer des lieux de rencontre entre ces différentes générations. On est aujourd'hui dans un monde de chercheurs qui travaillent derrière leurs ordinateurs, beaucoup, qui se parlent finalement assez peu, et dans des, vous l'avez dit, dans des laboratoires qu'on pourrait qualifier d'un petit peu fantomatiques. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des espaces de rencontre entre générations, entre chercheurs? Voilà. Ben, je sais pas. Lydia, oui, bon, moi, la réponse, elle est déjà dans votre question, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de créer des collectifs. Donc, les collectifs, ils peuvent exister dans les laboratoires. Ils peuvent aussi exister
par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit les twists historiens exister en tant que collectif, mais bon, effectivement, ça peut, il n'y a pas le contact physique hein, que vous enviez. Et sinon, je pense que c'est, pour ma part, l'association a joué un rôle. C'est-à-dire que moi, j'ai été membre de l'association EFIJI, donc des jeunes chercheuses et chercheurs en études féministes, genre et sexualité, qui a été pour moi un lieu essentiel de socialisation par les pairs, en fait, vraiment par les générationnels. On s'était autonomé jeunes, et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir aussi faire corps dans la même génération pour trouver notre place, pour s'entraider, pour se donner des conseils. Et cette génération aujourd'hui, elle arrive à des postes et elle continue en fait à être solidaire et à regarder vers la génération qui arrive après. Donc je pense que ça a un rôle aussi de constituer des collectifs et je pense que vous avez raison, c'est essentiel en fait de ne pas être seul derrière son ordinateur pour pouvoir avancer. Oui, quand vous dites que le monde est sinistré, ça dépend de quel monde vous parlez, le monde social, le monde politique est peut-être sinistré, chacun pense ce qu'il veut. Le monde historiographique, il est troublé, mais il est plus ouvert et plus généreux que jamais. Il est plutôt encourageant. Simplement, il est plus instable. Par ailleurs, j'ai quand même le sentiment que chez les jeunes doctorants, il existe maintenant des ressources qui n'existaient pas auparavant, des journées doctorales dont ils sont pour une large part les organisateurs, des possibilités d'ordinateurs, ça peut aussi servir à communiquer avec des réseaux et à trouver des partenaires de travail à qui envoyer des textes. Il y a une circulation qui est aujourd'hui possible, dont les générations qui précèdent n'ont pas connu l'équivalent. Très rapidement, une remarque. Alors, j'entends que les collectifs de jeunes chercheurs, c'est bien, hein, et ça fait génération. Moi, je serais plutôt partisane de la notion de compagnonnage et de métissage entre générations. Parce qu'il me semble, et tu vois, je suis un peu moins pessimiste que toi quand même sur le laboratoire, parce que mine de rien, ça reste quand même très souvent encore la brique de construction, ces énormes projets hors sol. Mais du coup, moi, une des choses qui me plaît le plus hein, depuis que je suis dans l'enseignement supérieur, après être resté très longtemps dans l'enseignement secondaire, ça aussi c'est quelque chose d'une génération, c'est le fait qu'on travaille de manière intergénérationnelle. De ce point de vue, la génération, elle ne marche pas tout à fait bien. Et pour répondre, enfin pour rebondir sur votre remarque, le découpage par décennie a quelque chose de factice, parce que tout ce que vous avez dit sur les années 50, étant né dans les années 60, au début des années 60, évidemment, je m'y retrouve aussi, qui est une grande plasticité. Sur les conseils, Claude Gauvin. Donc, j'ai à avoir le conseil pour les jeunes chercheurs. Le conseil, vous savez, c'est de vous prendre par la main. C'est-à-dire, ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que. Comme la Pratt déjà qui a des écoles doctorales, qui n'existaient pas, j'ai beaucoup fait pour que celle de Paris 1 soit créée et se développe. Il y a maintenant des pôles doctoraux plus larges encore. Donc il faut vous prendre par la main, parce que si vous attendez que les autres viennent vers vous, c'est un peu compliqué. Donc au sein de l'école doctorale à laquelle vous appartenez certainement, il faut bouger, il faut proposer des associations, et pas seulement avec les historiens de votre spécialité, mais j'insiste là-dessus, avec les historiens des autres spécialités. L'histoire est une. Quand je présidais le jury d'Agreg, je disais toujours, non, il n'y a pas des jurys, il y a des commissions, il y a un seul jury, qui va de la contemporaine à l'ancienne, et qui comprend la géographie. Donc, il faut aller vers les autres spécialités. Et c'est comme ça que vous enrichirez, contrairement à ce qu'on pense, et ce que pensent les jeunes doctorants de votre génération, pour le coup, qui pensent que, comme il faut faire la thèse en 3 ans, bon, c'est quand même 5 hein, en général, bon, ils n'ont pas le temps d'aller lire ou écouter quelqu'un d'une autre spécialité. C'est une très grosse erreur. Une très grosse erreur. On apprend en voyant ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après.
et c'est qu'il se passe ailleurs. Ça, c'est le béaba de l'apprentissage en histoire. Guillaume Calafat, également. Peut-être pas un conseil à proprement parler, mais peut-être des choses qui aident à avancer. C'est évidemment l'idée du séminaire de recherche qui est à l'intérieur du laboratoire, mais qui peut être aussi créé entre doctorants. Parfois, c'est aussi agréable d'avoir un lieu plus circonscrit pour discuter des textes, les lire, etc. Et il y a aussi un autre phénomène dont on n'a pas parlé, mais qui, je crois, est important, c'est l'internationalisation de notre monde professionnel et les séjours de recherche à l'étranger. Et la façon dont la discipline est aujourd'hui configurée, cette façon justement polycentrique, est tout à fait intéressante et enrichissante, je crois. C'est-à-dire qu'on peut tirer de ces expériences à l'étranger beaucoup de choses pour sa propre recherche, mais aussi pour essayer de comprendre comment le monde professionnel des historiens et des historiens dans le monde se reconfigure. Et on a une discipline qui est extrêmement globalisée de ce point de vue. Un dernier mot, il y a peut-être... Oui, non, pas un dernier mot. On parle d'un autre lieu... Un dernier mot. Un truc premier. Non, non, bah oui. On l'antenne à l'heure, donc je suis désolé. Non, mais un dernier mot, oui, bien sûr, mais pas moi. Non, un autre lieu ou des lieux qui sont troublés, enfin troublés au sens comme on trouble l'eau dans un par un mélangeur, justement, et qui sont des lieux traditionnels de transmission de génération, c'est précisément les bibliothèques et les lieux d'archives. De fait... Et là, ça fait typiquement partie de ces endroits où, au fond, certes, menacés par la dématérialisation, puisque par leur fréquentation et par le lieu de rencontre. Non, où, pas de catastrophisme, mon cher Guillaume. Au contraire, moi, je suis convaincu que quand on aura passé la phase d'illusion de tout est accessible en ligne, alors que 0,00000000001% est accessible en ligne, des archives et des bibliothèques, un peu plus des bibliothèques si on veut, mais bon, au contraire, il y aura une acculturation à l'archive finalement presque plus forte, et que par mouvement de balance interne, je passe un peu pour ma paroisse archivistique, où il faut se préparer à avoir, déjà, c'est déjà un peu le cas, les gens revenir dans les salles d'archives, et madame, je ne vous vois pas parce qu'il y a le contre-jour, pour le coup, c'est un lieu où, sur la pratique, il y a des choses qui se transmettent, et là, pour le coup, entre générations, entre le chercheur retraité et le jeune doctorant, et là, devant la machine à café, à côté du guichet, etc., etc. Voilà, c'était ce... Bon, de toute façon, il faut toujours dire que la machine à café est un bon endroit pour pouvoir réfléchir, pour que ce soit dans les lieux de travail. Un dernier mot, Jean-François Cérémonie. On voudrait que ce soit le dernier mot, mais... Si, c'est ça. D'une part, effectivement, plusieurs auteurs du livre emploient la même expression, la grande transformation, c'est-à-dire que l'un dans l'autre... Nous avons bien conscience au terme de ce livre qu'il s'est quand même passé quelque chose qui fait que ceux d'entre nous, parmi les plus âgés ici, dont moi-même, ont connu une université qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc, entre-temps, si vous voulez, il y a eu une mutation, elle est incontestable, que peut-être, du coup, d'où la question de mademoiselle, l'acclimatation à ce nouveau milieu est très difficile. C'est un monde probablement plus dur qu'auparavant. La notion même d'évaluation, songez que les chercheurs eux-mêmes sont évalués en permanence, vous vous rendez compte, dans un milieu où l'estime de soi est quand même quelque chose d'essentiel, les effets pervers d'une telle notion, mais dans ce milieu en partie sinistré, je partage l'avis qui a été dit tout à l'heure, il n'est pas si sinistré que ça, et d'ailleurs la notion de génération montre tout simplement que l'histoire continue, et vous mademoiselle, vous êtes justement l'une de celles de la prochaine génération. Ben, c'était le dernier mot. Merci à vous tous.